Attends, quoi? Mais non! Au casino, la Joya, t'y vas pas? Attends, t'as un surpris de ouf là! Si? Mais On se non! connaît alors. Mais non! Mais rarement. On se connaît, t'inquiète pas. Toi, tu fais peur. Mais non! C'est quoi ce stalker? Ça doit faire tellement peur, c'est-à-dire que le mec, il l'asiote pendant qu'elle est au casino! C'est flippant, non? À l'époque, mon oncle, il a été incarcéré en prison, je sais plus où. Il était qu'avec des Arabes en prison. La tombe de mon grand-père, il a lu le Coran de la messe. Il l'avait dans les mains. Et c'était marqué des trucs de malade. On y va! Non, c'est un véhicule de location. Ouais. Vous l'avez pris à qui? Je ne sais pas, je l'ai trouvé en pleine rue, comme ça, il n'y avait personne dans ce véhicule. C'est comme ça que je l'ai récupéré. Lui, prend tout, lui, prend tout. Ouais. Mais tu crois vraiment qu'il va te croire avec ton micro de merde? Ah bah voilà, bah, c'est réglé. Allez. Voilà, hop, c'est réglé. Bonsoir. Sors la gazeuse, lui, il va prendre. Bonsoir. Ça va, toi? Regarde-moi ce guignol, il est content en plus. Je vais peut-être moins peur, là. Non, bah non, justement, non, remets le masque. Ah, un sourire. Je fais peut-être moins peur, c'est peut-être pas ce que j'aurais utilisé comme phrase. Ouais, non, mais. Allez, les gars, go gagner cette guerre, s'il vous plaît. Ça rentre pas chez nous, les alliés, ok? Go gagner cette putain de guerre, les mecs. On peut réécrire l'histoire et avoir une nouvelle race. Toujours rêvé d'être bon en plus. Bah, moi, à l'époque, quand j'étais en classe, je donnais des petits mots avec mon numéro. Mais une fois, il y a une personne, il m'a chopé le mot entre la personne à qui ça devait arriver et ils se sont tous foutus de ma gueule. Ah oui, parce que moi, en fait, le problème, c'est que pour l'instant, il est hétéro. Il sort avec Charlotte, mais en fait, on a EPS le mercredi de 15 à 16. Et c'est vrai que dans les vestiaires, c'est un peu là où on est un peu, on va dire, seul à seul. Donc, il est en caleçon, moi aussi. Et j'ai envie de tester une approche... Peut-être m'approcher, lui saisir les boules. Je me dis que peut-être ça peut faire un électrochoc, une sensation qui n'a jamais été découverte. Je ne sais pas comment m'y prendre pour l'instant. Sinon, la psychiatrie, c'est bien aussi. Mais pourquoi il regarde, lui? Mais pourquoi il regarde? Mais il est con! Il est pas sérieux, hein. Bon, ok, ça termine. Wesh, il est sérieux là? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, le mec là, il est en train de faire du Weshden et tout. Bon, juste un truc pour te rappeler, parce que j'adore ton live depuis tout à l'heure, tu souris et tout, c'est stylé. En plus, j'adore les meufs qui fument, ça donne un certain charme. T'es trop mignonne. En plus, je ne fume pas depuis longtemps. Ouais, par contre, fais attention à Jay là. Je sais pas, le mec des bacs à sable, lui, c'est un putain d'alcoolo, il fait des lives. Il incite les jeunes à boire de l'alcool et tout et se droguer. C'est un putain de bouffon, je sais qu'il est là. Alors, il est dans le chat là. T'as vu comment il est agressif? C'est dans ses gènes. Il dit ferme là, t'es pas musicien. Parle bien, gros, sois pas jaloux des gens. Il tente une approche avec la meuf. S'il te plaît, ne t'énerve sur personne, on est là juste. Je m'énerve parce que j'ai cette salope. Il est en train de faire. Je voulais juste passer un message au gars là qui a gueulé. Parce que il a gueulé pourquoi en fait comme ça d'un seul coup? Je crois qu'il a un peu fumé ou un peu bu. Non, je n'ai pas bu. Ou ouais, alors, non, mais... ouais, mais il a un coup de gueule. Sauf quoi. Que moi, j'aime pas ça. Donc, je vais juste lui passer un message. Écoute-moi, Jérémy, là. Non, tu gueules, mais tu vas pas bien, toi, pour gueuler comme ça. Mais t'es malade ou quoi? Il a montré une vigueur, une force. Il est en double écran, regardez ses yeux. Putain, les... C'est pour ça que je peux pas laisser le chat comme ça libre en fait. Heureusement que t'es plus intelligente que ta pote. Ferme ta gueule. Ça va, je suis là pour toi, je suis là pour t'aider. Donc du coup, faites attention parce que votre image en fait, vous la donnez à Lovo et Lovo elle en fait ce qu'elle veut en fait de l'image. Donc elle peut être diffusée partout. Là, la dernière fois, il y a ma petite sœur, elle s'est retrouvée sur un site sur Pornhub. Et j'ai commencé à péter un câble, j'ai fait un signalement et Lovo ne va rien entendre. Du coup, il y a un montage d'elle qui traîne sur Pornhub, il y a des gens qui se branchent sur elle. Et ça me casse les couilles. Ah ouais. Des trucs de ouf, des bails de ouf, bails brossons. Donc fais attention. Mais après, on montre rien à Pornhub, après, on montre rien du tout. Donc, non, mais c'est pour ça, parce qu'à un moment, je suis tombé sur la miniature, je me suis dit, ah tiens, elle est grave fraîche, et en fait, j'étais tombé sur ma sœur.
Ah, mais ça veut dire que t'étais sur porn truc. Bah, il fait ce qu'il veut. Les aventures de Robert. C'est Robert, on est toujours dans le hall de l'immeuble. La dernière fois, un kamikaze avait essayé de me tuer. Je vais aller dehors voir si Yvan arrive. J'attends Yvan pour lui acheter du bon toshi. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Attends, il a fait 450 000 vues? Mais c'est impossible. C'est qui? Je sais pas, ça fait... Oh, comment t'as fait? Comment t'appelles? Non mais tu fais exprès ou pas? Wesh les gars, ça y est, il y a trop des trucs bizarres maintenant sur ce truc. J'y vais plus. Ah non mais ça fait caguer frère. T'es fou. Comment t'appelles? Pampaléa et toi? Hein? Oh, mais elle est là, et toi? Mais t'as un handicap? Jonathan! Jonathan! Tu dois pas y foutre ta gueule, frère? Bah ouais, mais je sais pas, imagine c'est un vrai handicapé, je sais pas. J'ai envie de rigoler. Handicap? Bon, vas-y, vous faites trop peur, la vie de ma mère, putain! Vous pouvez me remercier, de me féliciter. M'en bats les couilles, tu carré la game. Ok, Brimstone mid. Il y a le jeu et la morale, là, c'est vraiment différent. Quoi. Il veut quoi, là, Jean-Michel philosophe de morale, là? Pourquoi tu me parles? De morale, du coup. Je sais pas, il y a comme ça de ma beauté, gros. Ah, je crois que ça allait un peu vite là. On est des putes, nous? Mais c'est parce qu'il a dit. J'ai jamais dit ça, jamais. Mais dit oui, ça. Mais réfléchisse pas. Te laisse. C'est un travail, c'est rémunéré. Tu veux, je peux te donner le numéro de ta mère et de ta soeur et de ta grand-mère. Et après, tu leur demandes si elles veulent bien passer le confinement avec toi. Ta cousine et ta nièce aussi. Ah, mais Star, mais vas-y avec... Team Crash Ice Back, les potes. Bouge ta pute de mer, ça te va? C'est bon, je vais y aller, c'est bon. Bouge. Commence pas, par contre, n'insulte pas les mères, gros. Bouge. Commence pas. Ferme ta gueule, j'insulte ta mère si je veux, tu vas faire quoi? Ouais, bouge ta pute de mer et ferme ta gueule. J'ai appelé un responsable Discord, j'ai pas insulté les mères, gros. Rien à foutre, bouge de là. Je vais enregistrer, enfin, attention, je te le dis. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Les gars, vous êtes témoins, il a insulté la mère, moi j'ai insulté personne. Moi, rien du tout. Vous êtes témoins, les mecs. Vas-y, j'enregistre. Rien du tout. T'es belle. Fais bisous. Mais ils l'ont toujours pas reconnu. Mais Manon, pourquoi on tombe sur moi? Je suis bien ou quoi? On bien et toi? Ouais, je sais pas ce qui se passe là. Depuis tout à l'heure, les gens ils sont genoux ou quoi? C'est de ma mère. C'est parce que c'est Halloween. Ouais, je comprends pas. T'as vu, j'ai sorti mes petites lunettes cœur là pour toi, pour faire un petit effet beauté. Ouais, t'as intérêt à présenter tes excuses tout de suite, sinon je vais m'énerver de ouf là. Là, tu vas comprendre à qui t'as affaire, gros. Parce que là, ça va être Berka. Casse-toi de là! Fais ta gueule maintenant! Ne parle pas comme ça! Je t'ai carré ta game! T'as pas me parlé comme ça! Baisse tes yeux maintenant! Baisse tes yeux! Baisse tes putains de yeux! Maman, j'étais mort là! De me casser les couilles! T'as pas parlé comme une racaille! Je parle comme je veux! Ça le rentre chez toi! Rentre chez ta mère! Et reste confiné! Tu vas infecter tout le monde! T'as pas honte? Montre l'exemple! Y'a des jeunes! Y'a des jeunes qui vous regardent sur le dos! Et je bois ta santé le sang! Eh, tu sais quoi, ta boisson, ce que j'en fais? Pourquoi mes skins, tu t'embrouilles et après tu fais genre... Parce que ça me casse les couilles. C'est à cause de vous qu'on va être reconfinés encore 3-4 mois de plus. Vous cassez les couilles, sérieux. Mais c'est quoi ce... La place de la femme est à la... Cuisine. Confiné. Je me casse. Excuse-moi, en fait j'allais rejoindre un ami et je t'ai vu. Donc voilà. Lui, c'est le meilleur. Donc voilà. Ceinture, lui. Une fille comme ça, naturelle, elle, la diva 30, du 30. 30 ans. Oula, fumée. Je travaille dans quoi, Leclerc? Oula, la voix. Oh là, je travaille dans quoi? J'habite à Leclerc. Ils sont tous à la chiasse, mon de rire. Ils ont tous la chiasse, mon de rire. Sans blague. Pas ouais, sans blague. D'ailleurs, tu le sens, quand tu parles à une personne à cette distance-là. Ouais, par contre, bloque pas... Ah non. Je sens pas trop connexion, je sens qu'il y a une tension. Quand on parle comme ça, mais je sens qu'il y a une tension, il y a quelque chose. Bon, il va... Moi aussi, j'ai tombé amoureux. Donc voilà, donc c'est très bien ce que t'as fait. Allez, crache-moi dessus. Montre un peu plus ton visage là. T'es une michto ou quoi? Ouais. T'es là pour prendre de la thune ou quoi? Allez, crache-moi dessus. Ça marche pas, talking to me. Talking to me, tu veux fuck my wife?
m'envoyer des cadeaux, s'il te plaît, Jérémy. Oh là là, il commence. Vas-y, vas-y. Salut, bonsoir. Bonsoir, toi aussi, tu veux me cracher dessus ? Ah ouais, regarde. Oh, oh j'adore. Voilà. Tu l'as aimé, celui-là ? Attends, bouge pas. Hein. Ah, franchement, tu craches ? T'aimes bien ? Effectivement. Oh, il fait des putain. Tiens. Je suis un puceau, en fait. Mais ça, c'est un bon puceau, tu vois. C'est un puceau pur. Ça, c'est les meilleurs, ceux-là. La qualité de sperme, elle doit être incroyable. Non, mais je suis désolée, mais toi, je t'entends en écho. C'est pas toi que je veux. En plus, tu vas pas me cracher dessus. Toi, tu vas me cracher dessus. Oh, non. Oh, putain, je suis... Parfait. Non. Oh, non, mais c'est... Ah, mais il a... Non, mais j'ai l'impression que t'as craché du sperme. Ouais, j'étais sérieux, là. Ouais, j'en avais eu plein la gueule. Allez, si un jour tu tombes sur cette diffusion, t'es le meilleur, change rien et continue à faire tes conneries, c'est excellent. Ah putain, GG Sniper. En plus, j'avais pas vu, il a mis une photo et tout, attendez. Oh putain, il me tue. Ah putain. Mais dans le monde. Mais c'est lui qui monte. Je m'y attendais trop pas, mais non. Après, moi, je vais te dire un truc. Chez eux, c'est des fils de pute avec les femmes. Ils les violent, ces bâtards. Comment ça, il le dit pas sur le Coran de la Mecque. C'est pas marqué. C'est pas marqué. Oh, mais... C'est pas tout marqué sur leur Coran. C'est pour ça qu'ils arrêtent de m'insulter, parce que la vie de ma mère, je vais en sortir le bouquin. C'est bien marqué, hein, quand elle a pas envie de faire l'amour. La tombe de mon grand-père sur leur Coran de la Mecque, c'est marqué quoi? C'est marqué quand la femme, elle a pas envie de se donner à l'homme, c'est limite s'il la viole, ce fils de pute. Et je vous jure, ça tombe de mon grand-père que c'est marqué. Mais c'est un sketch. Alors qu'ils ferment vite leur gueule, la vie de ma mère, s'ils veulent la guerre, ils vont l'avoir, ces fils de pute. Hein ? La tête de mon père, c'est marqué ça sur le Coran de la Mecque. C'est un sketch. Limite si la femme, elle s'agenouille pas, elle lui suce pas la bite, il la viole, ce fils de pute. Mais il a dit quoi ? Simplement, et ça, vous le savez très bien. Blichier. Bien joué, ça, allez. Oui, mon garçon. Blichier. Un dernier. Mais non, mais tu le T'es sérieux? Ouais, je me suis craqué, les mecs. Qu'est-ce que t'as fait, Mikao? Bah, je sais pas, j'ai entendu pourtant, j'ai chlassé, hein, j'ai entendu de t'as chlassé ton pote, gros. À l'époque, mon oncle, il a été incarcéré en prison, je sais plus où. Il était qu'avec des Arabes en prison. La tombe de mon grand-père, il a lu le Coran de la Mecque. Il l'avait dans les mains. Et c'était marqué des trucs de malade. Ils disent que c'est des saints devant leur religion, mais croyez-moi, sur le Coran de la Mecque, ça a rien à voir. Mais c'est malade. Le courant de la mec. Nique ta mère, toi, avec ta tête de cul. Wesh, tu ressembles à quoi, toi? Michael Jackson, The Bee, en déformé, The Bee, c'est partout. Je vous présente le deuxième Michael Jackson, frère. Il a ressuscité, ce fils de pute. L'es-tu, là? Allô? Barto. J'ai pas le temps, t'as vu. Mais c'est Derka, mais en fait, c'est mon Derka à moi, mais en meuf, en fait. Non? Mais en plus violent, mais je pense qu'elle troll. Barto, je te dis. Avec ta tête de cul. Tu parles même pas français, la chatte à ta mère. Dis Barto, t'es même pas baisable dans ma France, espèce de pute. Non, c'est un sketch. Mais pourquoi il parle pas? Ah, il y a un noir là, c'est bon, je vais lui parler. Parlez avec Natao de Romonia, Motanami. Babak now. Je suis espagnol. Mais c'est juste que c'est quelque chose quand tu es. Allô, tu m'entends? Ouais. Je suis africain. Je suis au Cameroun. Ça fait plaisir d'avoir la femme blanche qui intéresse. Tu es intéressé par la culture, c'est bon, oui. T'es joli. Merci, t'es trop tu fort. Vas apprendre l'africain. Je parle la langue de Molambaqué. Tu connais le Molambaqué? Non. Paraknam. Patata. Romonia. Paraknam. Palagazi. Je m'étouffe. C'est trop fort. T'es trop fort, Jérémy. Je sais. Jérémy, ce n'est pas mon prénom qui est véritable. Jérémy, c'est un nom qui n'est pas le vrai. Je m'appelle Moussa Mbami. Moussa Mbami Bla. Répète. Moussa Mbami Bla, quoi? Moussa Mbami Bla. Moussa Mbami Bla. Voilà, c'est bien. Mais c'est bon, mais c'est vrai. Mais toi, t'es jolie, toi, là. Il y avait le mariage blanc, papier blanc. Drapeau blanc, papier blanc. Ramène les papiers, là. Il y en a en Afrique, là. Je peux te poser une question? Oui. C'est vrai que vous avez tous des grosses bites en Afrique? Oui, 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 c'est large. Comme le baobab. Viens, viens, match, match. Allez, match, la femme. Match, 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 match. Allez.
pousser. Je t'aime pousser.